du comité national de rassemblement pour le développement, CRRD. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Transition, Président du Comité national de l'Assemblement.
1938 à 1945, la charte de la transition, par les organes de la transition et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, je dis bien rigoureusement, parce qu'en Guinée, il existe depuis toujours des textes bien faits et de l'application de sa désirée. Je voudrais humblement demander, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de mettre cette occasion à profit pour instaurer dans notre pays l'obtention stricte de nos droits par tous les citoyens sans aucune distinction. Je souhaite vivement que Dieu, le Tout-Puissant, nous donne toutes les aptitudes pour amener tous les acteurs de la transition et le peuple de Guinée tout entier à comprendre qu'il n'y a pas de développement sans paix, sans respect des droits et sans justice. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les hommes de la Cour suprême, l'article 47 de la Charte de la Transition prescrit que le président de la Transition, avant son installation, est nécessairement signé dessous devant la Cour suprême. Citation. Moi, président de la Transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte. La dignité humaine, les lois et les règlements de la République, de remplir la fonction dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance, la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sous mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale, en cas de parjure que je subisse les rigueurs de droit, je le juge. Félicitations. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, ce serment renferme toute la charge de vos fonctions. Par ce serment, vous engagez devant Dieu et devant le peuple de Guinée à accomplir toute votre mission dans le strict respect des dispositions de la Charte de la Transition. Vous permettrez, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, de rappeler sommairement ce que signifie un serment. Le serment est, d'une manière générale, une affirmation solennelle et codifiée qu'une personne fait par voie orale en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction. Excellent, Monsieur le Président de la Transition, du Comité national de l'Assemblement pour le développement, chef de l'État, chef suprême des années par cet acte, vous allez vous engager solennellement à remplir au mieux de votre mission. Nous croyons sincèrement que vous mesurez toute l'importance de cet engagement et bien que Dieu le Tout-Puissant et les forces vives de ce pays vous assistent dans votre noble et exaltante mission. Monsieur le Président de la Cour suprême, celui qui est devant vous est docteur de son serment, M. Mamadi Bouguia, dès le 5 décembre 1950.
la charge de la transition. Mais dans les règles de ma constitution, et du peuple du tout, vous serez adressé au Seigneur de la parole pour y référer en la révision. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Thank you.
battement de l'unité nationale. Vous l'avez fait avec courage, mesdames et messieurs les membres des forces armées, avec l'ambition affirmée de construire, avec tous vos compatriotes, sans exclusive, une Guinée plus solidaire, un avenir meilleur pour toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, en vue de renforcer la cohésion sociale, de conduire la destinée de notre pays vers le retour de la pauvreté, en offrant plus d'opportunités à chacun, et avec une liaison importante de toutes les couches sociales pour accueillir l'avènement du CRM, et parce qu'il représente la rupture et l'espérance. Monsieur le Président de la Transition, la Cour suprême vous reçoit à cette audience solennelle de prestation de serment dans un contexte plein de défis qui sont humanitaires et économiques en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Nous savons tous, en effet, à l'instar des autres, notre pays est présentement déstabilisé par un virus féroce qui n'a ailleurs pas encore fini de semer le trouble au moment où s'amorce la transition qui s'ouvre à nous. Notre mérite dans cette période tourmentée a été de n'avoir pas sombré et d'être résilient. Le gigantesque défi sanitaire qui rentre toujours au quotidien des Guinéens et des Guinéens s'ajoute à ceux qui, de son état, n'ont pu être relevés depuis 2019. Le traumatisme économique et social qui l'occasion restera peut-être encore pour longtemps des séquelles dans notre société. Ne doutons cependant pas qu'elles seront bientôt un triste souvenir. Il se trouve aussi, Monsieur le Président, que vous avez vu et entendu vos compatriotes dans toute leur diversité. Ils vous ont exprimé leur joie, leurs angoisses, mais surtout leurs attentes récentes. Les Guinéens et les Guinéennes, en vous exprimant l'immensité de leur adresse par des manifestations grandioses spontanées dans les quartiers et le long des rues, ont joué leur partition. En vous adoptant et en vous exhortant à les diriger durant la transition et les faire rêver. Ils attendent de vous une part de réciprocité à la hauteur de leurs espoirs et de leurs attentes populaires. Le tout économique, en vue du tout social, demeure d'une perpétuelle et pertinente actualité dans le cadre d'une réponse globale à leurs exigences et à leurs revendications légitimes. Le discours l'action politique gagnerait alors à se mettre à la hauteur de la conscience citoyenne de ce peuple, afin que la République de Guinée reflète enfin et pour toujours l'image d'une nation véritablement démocratique, mature, apaisée et unie. Sur le front de cette relation contractuelle avec les hommes, les femmes et les jeunes de notre patrie, dans leur égalité ontologique et leur unité, il faut souhaiter d'ailleurs visionnaire. Et en votre qualité de chef de l'État, souvenez-vous que vos compatriotes sont en droit d'attendre tout de votre engagement de soldat et de votre honneur d'officier supérieur de la Grande Armée guinéenne. Les consultations que vous avez organisées, écoutant toutes les composantes de notre nation, vous ont assurément permis de prendre la mesure de l'ampleur de la tâche à la tête de l'État. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui vont vous observer d'un œil vigilant très critique, scrutant l'avenir avec un espoir mêlé d'angoisse. Monsieur le Président, permettez que je rappelle ce qu'à l'occasion de la prestation de serment présidentielle du 21 décembre 2010, j'avais déclaré, citation, de tous les maux de ma gouvernance dont souffre notre pays, le plus grave de ses conséquences immédiates et lointaines consiste dans la non-exécution des décisions administratives et judiciaires. À l'évidence, violation et méconnaissance des lois déséquilibrent les rapports internes de la société, entraînent la perte de confiance en l'État et font obstacle à la mobilisation de l'épargne nationale et à l'attrait de l'investissement direct étranger nécessaire à la mise en valeur de nos importantes ressources naturelles. Développe la corruption et installe l'impunité et quelques graines de structures sociales
altère irrémédiablement les relations sociales et détruise les fondements du développement durable. Fin de citation. Distingués Gambiens, mes chers compatriotes, ce moment d'investiture doit constituer pour tous, nouvelles autorités et citoyens, un moment d'introspection générale au plus profond de notre moment collectif, une épreuve pertinente permettant l'évaluation de la maturité de notre conscience citoyenne et aussi l'ancrage de nos forces politiques, économiques et sociales dans la culture de l'État de droit, ciment du pacte démocratique et de la gouvernance transparente. Le pacte démocratique, énoncé dans la charte de la transition et l'État de droit, suppose l'acceptation de l'isolement, source de l'inclination à la civilité républicaine, au respect mutuel et à l'esprit citoyen entre les acteurs du jeu politique, en vue de réduire la suspicion entre adversaires politiques et de générer un consensus sur les questions essentielles de gestion des affaires publiques. Une lecture attentive de la charte de la transition permet de rappeler que le respect des lois est la mesure et la caractéristique fondamentale de l'État de droit. Il implique la soumission de tous les organes et détenteurs de la puissance publique à l'autorité de la loi et l'obéissance aux procédures qu'elle a prescrites. Il est le rempart contre toutes les dérives qui aboutissent à la malgouvernance et au travers qui sapent à la fois la sécurité de la personne et des biens du citoyen en même temps que la stabilité du pays. Cette charge de la transition porte la signification profonde que le peuple de Guinée a franchi un épisode décisif de son histoire, qui n'autorise plus la gestion solitaire de la chose publique dans le secret d'un cabinet par des dirigeants qui n'auraient pas de compte à rendre au peuple. Elle indique notre volonté commune de bâtir ensemble et sans exclusive une gestion collégiale des affaires de la nation. La charte de la transition contient également les règles d'impulsion de la participation active à la vie de la cité, de personnalité indépendante et suffisamment équidistante des partis qui pourraient se trouver en situation de conflit pour se donner la légitimité d'arbitre et de médiateur impartial en vue de la pacification des espaces sociaux et politiques. Monsieur le Président, l'article 47 de la transition de la charte de la transition dispose, je cite, avant son installation, le président de la transition prête le serment devant la Cour suprême. Fin de citation. Elle précise, en son acte 79, citation, les attributions de la Cour constitutionnelle sont transférées à la Cour suprême durant la période de la transition. Fin de citation. Telles sont les raisons et le fondement juridique justifiant que la Cour suprême vous reçoive à son audience solennelle de ce jour. Il est de règle, je dirais, d'usage incontournable. Donc, du devoir impérieux des juridictions, lorsqu'elles reçoivent un serment, d'appeler l'attention du même détenant sur le sens de l'obligation formelle qu'il contracte. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une obligation de profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041-M du 4 juillet 2017. Portant prévention, détection et répression de la corruption et des erreurs.
encadrer le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou, plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression respecter et faire respecter scrupuleusement, contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, dans sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontre par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président, en vous donnant acte de votre prestation de serment, la Cour vous donnera symboliquement les clés du palais présidentiel. Il ne s'agit pas d'un sésame, car le sésame n'existe que dans les comptes. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un ardeur vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile, car le navire est chargé d'événements douloureux, d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Le navire en devient capricieux. C'est une mer heureuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouillé du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête de doute de la personnalité. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour apporter cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires. Connaissance du commandement et de l'humanité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opérations pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect de l'équidistance, de l'équidistance médiatique et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la communauté du droit ont été installées sur le socle intestestif de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvriront toute leur dimension historique. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous lira au cours de la période de transition que vous annoncez vraiment. Compter de ce jour, et pour le temps de la transition que vous fixerez, de commun accord avec le Conseil national de la transition, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus grande charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens, et vous arme de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de l'autre charge de président de la transition, chef d'État de la transition. Je vous remercie de votre attention. N'applaudis pas.
Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de mesure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Pour le président, vous pouvez rester la main. Je donne acte à monsieur le premier avocat général de cette réquisition. Je donne acte à monsieur le président de la transition qui s'est emprunté et le déclare installé dans ses fonctions. Dit qu'il sera bien tout dressé procès-verbal, sera déposé au nom des ministres du greffe de la Cour suprême pour y avoir recours en cas de besoin et sera publié au journal officiel de la République de Guinée. Je vous remercie, M. le Président, vous pouvez regagner votre place. Ils me sont confiés.
une lecture attentive de l'évolution politique de notre pays permet d'aboutir à une conclusion, celle relative à la nécessité d'apporter un changement. En effet, comme vous le savez, la République de Guinée a connu depuis le 5 septembre 2021 un changement politique suite à la prise du pouvoir par l'armée. Ceci est consécutif à une longue crise sociopolitique et économique à laquelle le pays était confronté. Lors de ma première adresse à la nation, j'ai largement expliqué à l'opinion publique nationale et internationale les motifs à l'origine du changement intervenu et décliné en même temps. Les axes prioritaires que le Comité national du Rassemblement pour le développement s'est fixé dans sa mission de rassembler le pays. Ainsi, sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le développement, le pays s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit notamment un gouvernement de transition et un conseil national de transition qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la transition. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier. L'organisation des élections libres, crédibles et transparentes et la réconciliation nationale. Je réalise parfaitement l'ampleur des tâches qui nous attendent, mais demeure en même temps convaincu qu'avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j'en appelle à l'esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres, car c'est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais diviser nos efforts risque de se noyer dans de nouvelles contradictions qui pourra nous conduire à l'échec. J'engagerai tout particulièrement à cet égard l'ensemble des organes de transition qui seront mis en place à veiller chacun à ce qui le concerne, à la réalisation effective des missions qui sont les leurs. Il est essentiel de rappeler ici le rôle important que devra jouer notre institution judiciaire, bien sûr, en tant qu'élément d'équilibre et de paix sociale pour notre pays. L'indépendance et l'impartialité de la justice constituent, à mes yeux, sur un système, un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. De notre pays, ceci de notre immensité de la tâche attend notre corps judiciaire, qui en réalité a besoin d'une véritable renaissance. Je l'affirme ici, l'engagement du Comité national du Rassemblement pour le développement au nom du peuple de Dieu, à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit. De même, je voudrais souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité avec nos voisins, mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l'Union africaine,
et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble à saisir cette opportunité pour réformer notre nation forte pendant cette période de transition. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique, durable au profit de tous, puisque tout puissant nous accompagner. Vive la République, vive la Guinée, vive le CNRD. Je vous remercie. Et le grand prix, le grand pouvoir, faisant de vous le grand maître.
quand le gars disait de l'institution, il y a la personnalité du culte atteint le c'est ça, Mesdames et messieurs, nous demandons à tous de rester sur place.